Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va dingue? Ça va très très bien, on parlait hippique juste avant. On parlait de course hippique, ouais, mais plus de membres de course hippique. Bah, les jockeys. Les disques jockeys, les DJ. Les disques jockeys. Non, vous pouvez pas savoir de quoi on parlait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Du coup, qu'est-ce qu'on va vous présenter, une fois n'est pas coutume, un décramp? Eh ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas attention, fait de restez là. Voilà. Ceux qui ont cliqué déjà, oh on non, sait non, que vous non, avez... Oula, c'est que vous êtes un minimum intéressé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de rampe sans se faire jeter oui. les tomates à la figure? Je l'espère en tout cas. On a une version grulle rampe finalement, ouais. avec juste du bleu pour l'ultimatum, que tu as brou, ouais. Et ça fait plaisir. Moi je pense que quand l'archétype n'est pas dominant, on a le droit de parler de rampe. Et parce c'est ce qu'en que j'allais fait, dire. ça fait partie d'un des archétypes de Magic. Et quand on a demandé à Wizard d'annihiler le rampe, faux! On a demandé à Wizard d'annihiler la domination des decks ramp. Exact. Mais ça reste une stratégie qui est sympathique, qui est cool, qui peut être puissante et qui répond à une certaine dynamique du méta. Et donc, ouais, j'ai brou ça. Alors, je suis parti des decks Temur ramp qu'on connaissait avant et j'ai rajouté la base aventure pour pouvoir avoir un petit peu d'early game pour notamment essayer de temporiser les decks aggro et les decks midrange. Ça m'a permis de passer mythique, franchement, honnêtement, très facilement. Il y a des mois plus durs que d'autres. Ce mois-ci était très simple. Bah, parce que. Quand le méta s'est vraiment très midrangisé avec tous les Golgari Adventures, tous les Rakdos et compagnie, et que les gens ont oublié que bah, résoudre un ultimatum, ça écrase toutes ces stratégies-là, bah, je me suis un peu baladé, quoi. Bah, t'as bien raison. Les gens commencent à se rendre compte que Ramp n'est pas mort, que ça existe encore. Il y a notamment des Naya Landfall, des 4 couleurs qui continuent à jouer des ultimatums, avec des Full Scalar, Des filates. des Philates, avec des Refuges du Felidar. Bon, là, ça c'est trop rampant, ça perd contre tous les aggros du format, mais ça éclate tous les midranges. Moi, je voulais un deck un peu moins polarisé, je voulais un deck qui est capable un peu de tout battre. Un petit peu le but de ce Temur Ramp là, et voilà, on en parlera juste après l'instant play-in. Exactement, Play-in by Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux. 50% de points de fidélité supplémentaires en utilisant notre code VALLEYPL2020 sur leur boutique. Ça marche du coup sur le montant de votre panier, ça scale à l'infini, donc ça fait plaisir. Une seule fois par contre, l'utilisation. Point de fidélité rapide, rappel, 1 € égale 1 point, 150 points, 50 bons d'achat. Vous pouvez les cumuler, vous pouvez les avoir plusieurs fois, ça fait plaisir, ça régale. Merci à tous ceux qui ont utilisé ou qui utilisent le code, ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur boutique Epic Game Store, tu connais. Merci beaucoup. Du coup, ce deck, bah, parle-nous-en, puisque finalement, moi, je le découvre un petit peu ici. Enfin, je l'avais Ouais. déjà vu, mais je ne l'ai pas joué, comme toi, tu as pu Il le jouer en est live. très cool. Le but, justement, c'est de rappeler aux stratégies midrange que si Ramp est pas mort, et bah, du coup, on a quand même un counter à ces stratégies-là. Parce que quand midrange, il essaye de générer de la value en mid-game, au milieu de la game, d'essayer juste de trader ses ressources de la meilleure des manières et épuiser un petit peu l'adversaire en jouant des bonnes créatures et des bons sorts. C'est une stratégie qui ne marche pas du tout quand ton adversaire il fait pour 7 mana ultimatum, terreur des pics, géant, je te mets 10 dans la tête et j'ai des bêtes qui sont immenses. Ça rattrape toute la perte de value que vous avez pu avoir en début de partie à jouer des accélérateurs. Et donc voilà, il fallait juste se dire, ok, même si Wizard a mis un coup dans la tête de Ramp, bah, ultimatum de jeunesse ça reste une carte puissante, est-ce qu'on peut faire des trucs avec? Oui, alors du coup à quel prix? Si jamais on se fait que ramper, bah, du coup si tu rencontres un deck comme je pense à Gredin ou comme Mono Red. Bah du coup t'as pas d'interaction en début de partie et tu vas juste perdre la partie sans rien pouvoir faire. T'as que Il y les a quand même géants. des grues aggro qui tuent tour 4 hein, assez facilement. Donc voilà, le géant ça me paraissait pas suffisant. Donc l'idée c'était de reprendre la base aventure qui était jouée dans Golgari Midrange au moment où j'ai buildé ça. De jouer les bonnes bêtes aventure qui sont le géant Krakos et la bête frappée d'amour. De pouvoir rajouter une des meilleures cartes du format actuellement, le Grand Cromlech. Parce que ça bat bien toutes les stratégies qui cherchent à t'épuiser, parce que la carte ne s'épuise pas. C'est une carte que tu peux trouver sous ton ultimatum de genèse, qui rentabilise tes petites cartes aventures comme le Tavernier de Bornemur, qui fait que tu vas pouvoir piocher beaucoup, beaucoup de cartes. Et on a le plan de jeu qui était déjà écrasant avant le ban, avec ultimatum de genèse, terreur des pics et gentil Jericho. Et voilà, le but c'était d'englober tout ça dans le même deck, et d'avoir un deck qui est capable de survivre à l'early game et de quand même tuer en late game, parce qu'ultimatum, terreur des pics, ça bat un peu tout ce qui a l'air faire dans le format. Bah écoutez, sur les quelques games que j'ai eu à jouer, ça s'est bien passé et on va vous Yep. présenter ça a l'air cool. Est-ce que tu me parles un petit peu du side? Ouais, alors le side c'était vraiment en réaction au deck qui était connu au moment où j'ai buildé ça. Arachnir c'est pour Batrog, qui est quand même un des decks très compliqués à battre avec cette stratégie ramp. Ouais. Les négations c'est contre les mirrors ou les decks contrôle, parce qu'il y a quand même des decks contrôle qui traînent, notamment UB, Dimir, qui est plutôt un bon deck. Les flétrissures c'est pour tuer les Cromlech. Alors maintenant ça va servir aussi à tuer les Felidar Retreat, parce qu'il y a des decks ramp. Très all-in, on en a Ouais, parlé. ECD aussi, ça peut casser. Ça peut Je sais pas casser si le tu as envie de le ECD. faire, Ouais, mais... complet, complet. Donc ça rentre dans tous ces match-up-là. Limon, c'était pour Rakdos, mais on n'en a peut-être pas besoin tellement. Il est quand même censé être devant dans ces match-up-là. Ouais. Dispute mystique pour les jeux bleus. En 7 Gargarotte, bah, c'est parce que
quand même mono raid, si tu fais pas ta ressortie avec bête frappée et Jean Craco, sont il met la pression, ouais. Et on marque voilà, toujours donc. On peut être un petit peu en dèche, ça fait partie des cartes que tu vas vouloir rentrer en fait quand tu décides ton haut de curve, donc le haut de ta courbe de mana contre des decks gredins ou des decks mono raid, tous les ultimatums et tout ça dégage, t'en veux pas. Tu rentres des ancêtres Gargaroth et t'essayes de grinder avec tes Chromlecks, ça marche très très bien. Et une petite Vivienne, ça je me suis inspiré de tous les sides des joueurs pro parce que bah, la plupart ils ont des Vivienne en side Ouais, pour essayer c'est de. belle value, hein. Ouais, bah c'est surtout que c'est bien dans les match-up mid-range pour essayer de. Outgrind. Ouais, d'outgrind, d'aller plus loin dans l'épuisement. Donc une petite Vivienne, mais je suis pas certain de sa puissance dans la liste, quoi. Ok. Ça pourrait disparaître au profit d'une Negate de plus Ouais. ou un truc comme ça. Donc voilà, on va aller tester ça maintenant sur le Ladé. Yep. Et pas besoin d'un troisième Gargaroth, du coup. Troisième, hein, il y a trois Gargaroth, D'un d'un troisième quatrième. Chromlech, pardon, je veux dire. Bah tu joues Ultimatum déjà, Ouais, donc tes donc c'est pas Chromlecks, tu mal, vas les quoi. trouver assez vénères. Tu vas les trouver facilement. Et Chromlecks, ça marche super bien parce que c'est pas quand tu castes, c'est quand la carte arrive en jeu. Et donc du coup, tu fais des ultimatums des fois Ou ça le met en avec. jeu, ça met Ça un le met marqueur en sur tout, jeu. tu repioches. Exactement. Et Oh, tu pioches un formidable. milliard de cartes. C'est vraiment trop trop bien. Tes petits taverniers, du coup, quand t'as un Chromlecks, tavernier, plus ton ultimatum, tu fais des trucs encore plus pétés que dans l'ancien standard. Donc c'est Est-ce que plutôt pas mal. là, pour résumer ce deck, on pourrait pas dire ramp est mort, vive la rampe? Ben justement, le but de ce deck, c'est d'être pas full ramp, justement. Je trouve pas. Je trouve que le plan de jeu aventure avec les bêtes frappées d'amour et tout, ça lui donne un autre axe en fait. C'est Ouais. un deck ramp qui veut pas perdre contre les aggros. Tu gardes cette main. Ouais. Je me demandais si on allait à Mulligan. Non, Bah, parce que t'as on a trouvé le géant, petit land. je pense On peut mettre cette que ça va forêt, le faire. petit token. Je trouve que justement, c'est pas full ramp. En fait, c'est presque un deck midrange qui, pour 7 mana, peut faire des trucs bêtes. Ouais. Midrange. Ouais, je sais pas trop comment le définir. Parce qu'il est pas non plus all-in sur la rampe, comme t'as le Non, côté aventure. pas du tout, c'est exactement ça. Donc Et du à coup, peut-être voir. que tu perdras contre des decks qui rampent beaucoup plus, en Ah tout cas la une. ben, c'est clair. Genre typiquement contre les decks Temur Ramp qui sont joués actuellement, notamment popularisés par Brad Nelson, qui a fait un très bon résultat au CFB Showdown avec Impact, je ça. pense, non? Ouais, on va Impact, effectivement. Impact. Typiquement, lui, il joue une version sans les taverniers, mais vraiment full ramp. Je pense que oui, il nous éclate, quoi. Ouais. Parce que du coup, toi, le temps que tu vas perdre, entre guillemets, avec tes cartes de début de partie, C'est ça. lui, il va s'accélérer plus, Et moi, et... je perds pas contre les sorties agressives des jeux Golgari, typiquement. Tu vois, genre Brad Nelson, contre cette sortie-là, bah, il est en sueur. Ouais. Alors, ça, on va le garder tant qu'on n'a pas de tavernier, donc on va juste continuer à accélérer. Ouais. Ultimatum, ça réduit bien l'écart de power level de nos decks. Et là, voilà, on va juste chum block les mammouths, rester haut en PV, et géant le tour d'après, into Ultimatum. Ça suffit normalement. Ça peut suffire. Pas mal, ouais. Tu peux aussi Terreur des Piques dès le tour prochain. C'est Mais vu mauvais qu'il a contre les beaucoup jeux. d'anti-bêtes, Ouais, c'est mauvais contre les jeux noirs. Donc tu bloques on le pas fait là? pas. Non. Là encore ou en PEV. Pourra bloquer si jamais il fetch et qu'il a un 7-7. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup gagné contre les Noirs Vert Adventure dans ma montée en ladder parce que je suis monté pile où c'était ce deck-là qui était identifié comme le meilleur. Tu peux quand même perdre, hein, ça joue beaucoup d'interactions. Si tu trouves pas tes terreurs des piques sur tes ultimatums, tes gentils Jarikos sont gérés par des anti-bêtes et c'est pas non plus la folie, quoi. Ouais. Tour d'après, on va pouvoir faire géant into bête frappée. Donc on est sûr de vivre jusqu'à C'est ultimatum. cool ça. Ce qui est vraiment très très bien pour le coup. Ouais, tu fais ça en vert ou rouge, peu Ouais, importe. qu'importe. Plutôt. Ouais, Bah t'as ça n'a passage, donc absolument pas de. là tu vas chercher ce que tu veux. Bah le rouge du coup. Enfin ce que tu veux sauf vert. Ouais, rouge, et t'auras le mana Et bleu. là on setup. Et tu vois, on a direct ultimatum le tour d'après. Sauf que on a temporisé l'early game. Et ça avait de la valeur pour moi C'est ça, parce que là, à moins dans qu'il le fasse game. double anti-bête, ça va. Et même s'il fait double anti-bet, je suis pas mort. Et je peux essayer de juste insta-win sur un ultimatum. Ouais. Là, tu vas chump et trade. Je crois que je vais trade le mammouth. Ouais. Et chumper ça. Ouais. Et il faudrait un gros prout pour que cet ultimatum soit pas. Enfin, nous remette pas instant bien dans la game. Ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais tu trouves. T'as combien de terreurs d'épic dans le deck? 3, donc plus que 2 maintenant. 3, donc plus 2. Oh bah tu peux Et juste bah, let's go, hein. Illu. Ah bon, on est mort du coup. On est mort? Ah non, non, il n'y a plus le Mute mammouth. Non, t'as Mantis, trade de ça mammouth va. tourne. C'est quand même assez mauvais, hein. C'est pas Ouais. censé faire ça pour le coup, évidemment. Je serais toi, je fetch Pour tuer pour ça. faire impact fracasse crâne et tuer une bête. Exactement, ce que j'étais en train de me demander. Et ça a de la valeur. Puisque ton prochain, tu voudras plutôt. L'ultimatum. Re-ultimatum, dans re-ultimatum peut-être.
Bah, si on a des cobras, on va pouvoir enchaîner les deux, Ah, ouais. t'aurais pu tuer peut-être la chevalier. Ah putain, mais je suis con, dans tous les cas, il peut attaquer, ouais. J'avais pas vu qu'il y avait ce Ouais, c'était chevalier. pour gagner un peu de points de vie, parce que t'auras pas le temps de le jouer plus tard, mais c'était peut-être chevalier Ah, qui mais était non, ça meilleur. aurait été bien, parce que j'aurais pu éclater son board, là, le tour d'après, plutôt que de passer par ultimatum. Ah, je suis con, j'avais pas... Pour moi, il avait qu'une seule 1, en fait. Bon, là. Ouais, dans tous les cas, il avait tout ce qu'il faut. Bon, Il comme prend premier 9. ultimatum prout, c'est dur. Ouais, il faut que le deuxième soit solide. Mais le deuxième, s'il trouve un cobra, il peut faire le troisième, donc ça va. Ouais, bon, tu peux remonter ce board, hein, mais on est bas en PF, quoi. Ouais. Et lui, il a beaucoup, beaucoup de value, là, à générer. Ça fait plaisir. On va ultimatum en first. Parce que si tu trouves Cobra, ça te Ouais, je permet serais de content. Est-ce que... Non, je peux pas faire de terreur la dinguerie. avant. Comment ça se passait les trucs? Ok, je pique card. Bon là, tu vas Je bête fais... On frapper. joue ultimatum encore. Tu peux encore ultimatum? Mais non, t'as pas de vert. J'ai pas le T'as pas de vert. bleu, pardon. Ah, c'est dommage qu'on ait pas trouvé un cobra là. Ouais, avec Cobra, on faisait une dinguerie. Je crois que tu fais passage, mais que tu claques pas. Je fais Si. bête frappée. Je garde ça pour le tour d'après. Attends. Into. Ouais, c'est ça, bête Tu peux frappée. aussi Terreur des Piques et Token de bête frappée d'amour qui va tuer le tavernier. Non, parce que Terreur des Piques, je veux la setup quand je suis sûr de pouvoir faire des géants et mettre un max de points. Ok. Parce que là, cette terreur, il va juste faire anti-bête dessus et ça va être un peu moelleux, quoi. Ok. Ah, tu vas repiocher une carte d'ailleurs avec Rancomlech. Donc tu peux peut-être trouver une dernière affaire. Ouais, j'ai un Krakos, ça m'irait bien. Là, tu peux Fetch Culture si t'as encore des assez de basiques. Oui, c'est sûr. Il y a encore au moins des forêts dans le pack. Au moins une forêt, je pense. Ah bah Ah, non, bah mais tu vas ouais, plus putain, je vais la culture. chercher, ouais, donc je suis con. Je savais qu'il restait qu'une forêt, mais... Non, bah fin de tour. Ok. Bon, le tour d'après, Terreur des Piques dans Ultimatum, c'est potentiellement létal, quoi. C'est pas mal, ouais. Alors là, ça dépend à quel point il va faire des anti-bêtes. Bon, le géant, ça meurt C'est déjà. géant, ça dégage. Moi, je veux juste avoir assez de chum block pour pas Il faut mourir. pas qu'il ait encore un anti-bête, sinon on a Ouais, sinon perdu. on a perdu. Ouais. Et ça me choquerait pas qu'il ait encore un anti-bête et que bon, bah tant pis, on n'a pas trouvé Il nos en joue cobras et beaucoup, ouais. compagnie. On a le droit de perdre ces games-là, quoi. Mais comme quoi, on a survécu à leur lit. Si nos ultimatums avaient été géniaux, bah c'était gagné, quoi. Ouais, le deuxième était ok, mais le premier était pas bien du tout. Je prends combien? Je prends. Ouais, je suis obligé de Non, t'es prendre ça obligé. comme ça. Ah non, ça piétine. Ah bah les deux piétinaient en fait. Ouais, t'es bon. Ah, je pouvais rien J'ai faire cru comme qu'il avait carte. pas. Il a mis Kamaline qui piétinement à chaque piétinait pas, fois? ouais. Ouais. J'ai cru qu'il avait mis portée, mais non. Bah, il était bien le deuxième, oui et non, parce qu'il a eu ni terreur, ni cobra, et c'est terreur des piques qui nous permet de gérer son board, Et Cobra et qui nous permet cobra de qui nous rejouer permet de l'autre. rejouer Ouais, c'est l'autre. vrai. Donc, Il était pas pour fou. le En coup, fait, on si le était. deuxième était le premier, c'était fine. Ouais. Mais non. Et on side pas contre GB Midrange, parce que le deck a été buildé en fonction de ces decks-là. Ouais, tu mets pas des flétrisseurs pour tuer Clover? Eh non! Y a pas besoin. Il n'y a pas de Clover. Maintenant qu'il y a une Vivienne, l'argument de la rentrée peut être valable, mais je Ouais. crois pas. Tu Bon, cutterais quoi? moi je side pas contre GB. Ok. Et ça s'est très bien passé. C'est Brad Nelson qui tweetait un truc comme ça pour rigoler. C'était le sideboard, c'est un aveu de faiblesse, ça veut dire que le main deck était pas bon. Bah quand t'as buildé ton deck en fonction de ce qui se fait dans le méta, généralement t'as pas beaucoup à sider, quoi. Ouais. Même si tu side 2-3 cartes, sinon c'est que t'as pas buildé en fonction du méta. Et ensuite, il a retweeté. C'était une blague, j'ai construit mon entière carrière sur le sideboard. Donc. Ah ouais. Mais je pense que le sideboard c'est super important, mais savoir ne pas sider ça a beaucoup de valeur. Je sais plus qui en parlait en stream, c'était peut-être Thierry ou J-Rock qui disait les gens ont tendance, enfin en fait Tu veux forcément changer après ton la deck, game 1 ouais. ils veulent forcément changer leur deck et il y a des match-up où tu dois pas le faire. Et je Ouais. pense que là ça a de la valeur de pas le faire. Bah, il y a beaucoup le phénomène de j'ai eu cette carte au mauvais moment, du coup j'ai envie de la virer, tu vois. J'ai envie de la remplacer par une carte. Ouais, ça c'est des biais, ce qu'on Cognitif. appelle des biais, ouais, des biais personnels. Et bah si tu veux être meilleur à Magic, faut t'en affranchir. Après tout le monde, enfin on s'en fout, hein. Il y a des gens et ils préfèrent Oui. avoir des biais. Moi j'ai plein de biais en stream, ça me pose pas de problème. Genre mon oppo il a tout à chaque fois. Ouais. Mais il y a des oppos qui ont tout. Hein. J'ai dû t'appeler après une game pour exorciser à quel point il avait Il tout y a des récemment. oppos qui ont tout, c'est vrai. Tu fais Des tavernier ou oppos. pas? Non, 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 j'attends toujours Ou d'avoir un peu de value. tu lui donnes pas? Enough true. Oh, on n'est pas pressé, hein. Lui, il va nous faire piocher des cartes sur nos bêtes frappées et tout plus tard. Il va nous aller nous chercher nos ultimatums. Ça, par Oh, un contre, petit cobra. je vais lui donner ça. Vas-y donc. Triumph d'Inted. Et derrière, Inted. la rampe est solide. Pardonnez-moi. Bah ouais, il l'avait. Il le faut.
Après, ça joue le pléthore d'anti-bet, donc ça me choque pas plus que ça. Super. Voilà. Plutôt rouge. Et on va commencer avec culture. Et on va prendre rouge, into vert. Bleu, into vert, pardon. Et on ira chercher le reste. Et là, encore une fois, on a Là, tu mets plutôt le vert. un early ultimatum qui arrive. Ton prochain, tu peux faire géant, land géant, Ouais. tavernier. Ouais, j'ai ultimatum qui proc. Et ou tu gardes juste tavernier en Ça va fait. très vite, hein, quand tu vois ce que Ouais. lui fait. Il faut que tu lances comme ça. Ça paye correct, ouais. Ah, quand tu commences et que tu as cette accélération-là, sachant que tu n'as pas eu ton cobra. Enfin, tu l'as eu, mais il est mort. Et tu Ouais, cherches un et que tous rouge. les decks se sont aussi ramollis, quoi, parce que t'avais pas besoin d'aller plus vite que Omnath maintenant. Les gens veulent grinder avec des decks midrange et tout. Et en fait, là, tu vois, il a 4 mana, il va nous faire un play pas forcément très impactant, parce que son tour 4, c'est Rankle ou un anti-bet. Bah, il va se prendre Ultimatum et c'est déjà à peu près GG, quoi. Voulez-vous? Sauf si ça trouve rien. Ouais, mais c'est rare que ça trouve rien, et si ça trouve rien, ça t'a quand même fait accélérer de 5 landes, en fait. Donc. Oui, toi, tu vas juste mettre des gentilles de haricots au moment Ouais, aussi. donc bon. Bah, ça a trouvé 5 trucs Genre rien, c'est déjà trop pour la dynamique là. de son deck, quoi. Je vais pas Floridron, parce qu'on pourrait trouver des Chromlecks. Je vais garder ça aussi pour recycler. Je crois que je passe le tour. Ouais. Ouais. Floridon, tu peux aussi le jouer pour faire attaquer la bête frappée d'amour. Ouais, bon, je suis pas dans la dynamique d'attaquer, mais. Non. D'attaquer. Après, il peut avoir double anti-bet et nous mettre 7 points. Et c'est pas grave, on fera Tavernier, on piochera avec nos géants. En fait, il a de la valeur vraiment late game ce Tavernier dans ce deck-là. J'aime bien ce jeu. Je suis biaisé, hein. On parle de biais. Je suis biaisé, c'est le mien, mais j'aime bien vraiment. Ouais. Bah en fait si c'est ton deck et que tu l'aimes pas, bon bah Bon, des faut pas le fois, ça faire arrive, quoi. hein. Des fois, tu fais des decks qui sont pourris, hein. Ça m'arrive, hein. Oh les pauvres. Je fais des decks, ils sont nuls, tu les supprimes, quoi. Ouais, tu modifies Genre, pas, t'sais. Oh non, c'est une combien de mauvaise fois idée ça. tu fais un deck, tu lances en ladder ou en event, et Et tu derrière t'en rends c'est compte. delayed, Ouais. instant. Bah ça fait longtemps que je fais plus de deck, j'avoue, Ah, t'as fait mais du c'est vrai. brawl. Oui, c'est vrai. Fait du Mais là brawl. en branle ça marchait bien. En brawl, ça marchait bien. Ah, y en a aucun que tu t'es dit delay. Ouais, il y a dû en avoir un, mais je m'en rappelle même plus, tu vois. Là, ça, c'est un Ouais. billet de pour être heureux. C'est, tu te rappelles pas les trucs qui étaient Je tourne en malheureux. delayed un par semaine, je crois. Alors. Tavernause. Là, en fait, comme t'as passé le tour, il a pas pu faire genre anti-bet pression. Bah, t'es très très bien. PLS là, laisse-moi te dire que. Fais un petit cobra. Non, je vais Non? plutôt recycler mon triome, je crois. Là, tu peux cobra, passage, recycler triome. Oui, vrai. C'est vrai. Ça marche parce que j'ai bien plus que 4 mana à disposition. Bon, là, faut trouver Chromlec ou Ultimatum pour gagner cette game. On n'est pas loin de la gagner, quoi. On va commencer à piocher avec nos taverniers. Et en fait, là, il est dans un spot. Il faut que je gère ses géants, mais il faut aussi que je gère ses taverniers. Et il va Ouais. probablement d'abord gérer les géants. Et ça ne le met pas bien, quoi. Il va gérer les gérants. Gérer les gérants. Il peut, hein. Les belligérants, même. C'est un Oh. gérant très joli. C'est pas un géant qui veut faire la guerre? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un gérant. Ah, c'est de l'italien. Ma foi, fort agréable. Belligérant. Belligérant. C'est Mengucci qui parle de ses gérants de local game store comme ça. Ouais. Oh, tout se recoupe. Comme quoi, Magic. Un tout petit monde. Ouais. Dans un concentré de Bowmen. Mammouth du Kazundu. Le mammouth. Est-ce que c'est le pote à Nicky Larson, tu dirais? Le méchant, je Tu crois. vois? Il a pas ciblé la bonne cible. L'erreur. Error. Oh là 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 là. Puis là, c'est la fête à Bah nounou. là, tu mets. Mets donc le petit géant, tige de haricot. Laisse-moi te dire que c'est fantastique. Sur l'autoroute de la value, là, t'es en roue libre. Ouais, Fais un petit complètement. géant pour tuer ça à 1-1, s'il te plaît. Comme ça, tu peux bourrer avec tes 11-11. Oui, monsieur. Ouais, ça, c'est chiant. C'est Merci. vrai que moi, de l'optique, c'est juste je bourre pas, je vais tuer à ultimatum, mais il y a des scénarios Et où t'as le les droit, ouais. 11-11, ça bourre, hein. T'as le droit, t'as le droit. À 5-5 aussi. Hein. Ouais, je peux bourrer avec tout. Tavernier aussi. Hein. Non. Non. Non, vraiment pas lui. Des fois, tu sais, je réfléchis à des plays ultra ballsy où le mec se dit peut-être je loupe un truc. Qu'est-ce qu'il fait Je loupe là? un truc, il peut pas faire ça, tu vois. C'est vrai. Est-ce que ça Et quand marche? ça passe, tu fais yes! Si! En draft, ça marche. En Ouais. construit, ça marche beaucoup moins. Parce que ils savent à peu près ce que tu joues, tu vois. Ou ils savent exactement ce que tu joues. Alors qu'en Ouais. draft, ils savent pas. Bah Ils après, savent les cartes que tu peux avoir, mais il y en a beaucoup. ouais. Après, ça arrive qu'ils savent pas ce que tu vois. Genre là, mon oppo, c'est pas forcément ce que je joue. Il Ouais. connaît pas notre compte Twitter. Pas au courant, tu Bah, tout le monde connaît notre compte Twitter.
Peut-être 4000 pas assez. abonnés. Vous connaissez notre compte Twitter, les gars? Bientôt 4000. On est à 20 près d'être à 4000. N'hésitez pas à venir. Parce que vous, vous êtes 20 000 sur YouTube, mais on n'est que 4000 sur Twitter. Donc il y en a forcément 16 000 qui connaissent pas. Voilà. Et en plus, c'est sympa. Il y a vraiment full belle magie sur Twitter. Alors vous pouvez accéder à Twitter sans compte, mais c'est quand même plus agréable. Tu vois, là, tout ce qu'il fait, je m'en fous. On s'en fout, mais ça, déjà. Mais une bête frappée d'amour. Je pioche des cartes, je vais bourrer son polulu. Oh là. Ah non, je vais juste faire. Je vais juste faire un ultimate. Ah non, 3. Il me manque un mana. 4, non, 5, coup, 6. Ah, il te manque un mana pile, ouais. Ouais, c'est pas grave, je ferai le tour d'après. Bon, en vrai, c'est déjà une 1-1. Je crois que tu peux la laisser. Ouais, je peux juste aller tuer ça. Ah non, mais fais passage merveilleux, tu vas tuer Polycranos et Limon. Oui. Je préfère piocher des cartes. Je vais laisser son polulu comme ça. Passage merveilleux, tu peux tuer Chevalier plus profondément. Parce que là, du coup, si jamais ils veulent faire revenir en 12-12, ça lui nécessite de payer 3 mana. Donc en fait, ouais, c'est encore mieux qu'ils soient en 1. Ouais, t'as raison. Fais fetch, mana vert. T'es même pas obligé d'utiliser le fetch. Tavernier. Et tu tues le chevalier. Wow. Okay. Et là, le tour d'après, l'ultimatum, il est scandaleux. Scandaleux. Ah non, mais du coup, il va bloquer avec son. Bon, c'est pas très grave. Osef. Ouais, c'est pas. Dans tous les cas, voilà, il me tuait là. Hein. Je pouvais pas full attaque pour l'étal, j'ai beaucoup de. Ah, du coup, est-ce qu'il fallait pas juste mettre 5 points dans le mammouth plutôt que dans Polycranos? Bon, je crois que Osef. Enfin, je crois que cette game, on peut plus la perdre. Oui. Genre, vraiment. Là, si t'as anti-bête, tu tues quoi? Terreur, les géants ou un tavernier? Alors, Extinction Event, par contre, on est pas du tout content. Bah, franchement, ultimatum. Tu vois, même si avec. Ouais, tu ultimatum derrière, hein, mais. Genre, impair et passe. Ah, bah, c'est sûr. Impair et concède. Go. On l'a vu, hein, pas besoin. Moi, j'aurais mis juste Vivienne, mais sans rien sortir. 61 cartes, go. Bah, le problème, c'est que cette Vivienne-là, peut-être je la comprends pas assez pour la jouer, tu vois. Je sais pas exactement dans quelle dynamique elle est bien. Peut-être qu'elle est ok contre aggro, juste pour pondre des bloqueurs à tous les tours, vu qu'on l'a fait tour 4. Peut-être qu'elle est plus là pour les decks aggro que dans les decks GB. Vu que tu vas souvent la jouer tour 4. Ouais, ça temporise bien. C'est comme Nissa. Nissa, elle avait quelques spécificités contre les decks aggro à l'époque. Mm. Au-delà d'être une carte fantastique. Elle faisait gagner les games contre aggro et elle faisait gagner les games contre les autres. Elle faisait gagner les games en fait. Partout, quoi. Non, tu sais contre quoi elle faisait pas gagner les games? Contre les dynamiques très contrôles à base de plein de contres. Ouais. Et on préfère avoir des. Ouais, mais bon, genre si le compte des contrôles a plus de cartes en main, Nissa, enfin. Voilà. Oui. Caminalo. Oui, mais tu. Ça faisait quand même gagner les games là. Elle faisait gagner les games, mais quand t'avais déjà gagné la game. Plus difficilement. Ouais. Non, juste genre, t'as plus de cartes en main, j'en ai plus. Ah bah tiens. Ah, Vivienne. Je suis Brad Nelson, j'ai pioché la bonne carte. Exactement. Il pioche la bonne carte, Brad. 7 mon fil, pardon. Ah, 7 mon fil. Oh, il les pioche aussi, je pense, Brad. Ouais, de toute façon, ils ont le code MPL. Hein. Bien sûr. Comme le code streamer, mais mieux. C'est bien ça. C'est validé, écoute. Hein. Je suis quand même déçu d'avoir perdu la première. Ça nous met quand même dans le spot où on joue en deuxième ici. On n'a pas d'accélération. Ouais, c'est vrai. Bête frappée dans Chromelec, c'est un peu une utopie contre un deck. Contre un deck bête à frappée base, d'amour. Ouais. Into Triomphe de Ketria Tavernier. Into ouais. Bête frappée d'amour Kidro. Contre un deck qui joue du noir, c'est compliqué. Hein. À moins que lui veuille se développer de son côté. Alors, qu'est-ce que. Quand t'es sans dire au revoir, tombe de la maladie, je colle. Non. Ah, pas loin. Agadim, oh, ça fait bim, plaisir. Bim. Agadim comme les caleçons. Oui. Himself. Bon, je m'en fous. Pourquoi j'attaque? C'est pas moi, je joue en deuxième, je suis le deck rang. Toi, t'attaqueras peu, mais ce sera suffisant. Ça va aller très vite. Lui, il doit attaquer plus. Voilà. Oh, c'est le tavernier qui est géré, mais du coup, tu fais quoi de ma bête frappée d'amour, poteau? Alors, toi, ta petite value, laisse-moi te dire qu'on s'en cague. Hein. Oui. Oui, prends ce trade. Ce trade. Là, ramper, t'amène à rien, alors que bête frappée, t'amène à Chromelec. Ça m'amène à Chromelec, ouais, donc c'est très bonne chose. C'est valuable. Hein. Sachant que si, lui, si c'est son play, on le défonce. Oui. Mais Chromelec, il fait. Oh yes! Comme les joueurs de foot. T'es pas obligé de land vert. C'est bien. C'est bien aussi. Tu pouvais géant Chromelec d'ailleurs. Non. Non. T'as, j'étais là en mode Imtrix ou Oh le tour de fou. Tour 4, géant Chromelec.
Ah putain, si je landais pas vert. Ah non, c'est bon, j'avais quand même 3 verts, je pouvais pas. Ça m'accélérait pas ultimatum. Le problème de Chromlex, c'est qu'il accélère pas ultimatum à cause des 2 verts qu'il génère. Et qu'il coûte. Et qu'il coûte, voilà. Donc forcément, il y a trop de verts dans l'équation. Ah. Si t'as 2 Kétriatriomes, tu peux avoir un Chromlex qui t'accélère dans un ultimatum. Oh, bien vu. N'est-ce pas fou? Non. On prend 6. Ouais, bah on prend 6. Ah mais là, tu peux juste mettre une 7-7 ton prochain. Oui. Ah non. Tu mettras une 5-5 qui prend marquer une 6-6. Ouais, bah, bien de toute façon, dans 2 tours, je fais un ultimatum. Hein. Donc, ça va vite, vite calmer les ardeurs du Mister. On va gagner 2 PEV. Et il sait que t'as gagné 2 PEV, donc son screen sera différent peut-être. Ouais, c'est vrai, je vais il donner est très beau, Stomp de la maladie. Il fait pas très malade, mais... On dirait le Fel dans un autre jeu. Oui. Double géant, c'est bien. Si tu veux pas jouer géant créature. En fait, je crois que j'ai envie de jouer géant créature parce que ça lui nécessite d'avoir un anti-bet, sinon il passe pas. Et je fais quand même ultimatum le tour d'après dans ce spot-là. Ah bon? Ah non, je fais pas ultimatum le tour d'après. Fuck. Après, tu prends quand même 7 si tu fais pas géant. En même temps, il vous fout l'anti-bet. Donc à quel point... Alors, je pense qu'il vaut mieux s'accélérer vers l'ultimatum. Ouais, c'est quand même important l'ultimatum. Tu regagnes 2 PEV. Ouais, qu'importe. Tu vas regagner dans tous les cas. Rouge. Ah, ça me fait un peu chier quand même là. Le spoteux. Ouais, après, il fait rien contre l'ultimatum. Donc s'il est bien. Ouais, ça quand c'est bon, c'est bon. Bon duel. Non, ça va, on a 18. On peut voir venir. 8. On a 18 et il y a une carte qui a disparu des decks GB, c'est Turlupin. Et là, on n'aimerait pas prendre un Turlupin. Mais comme il est moins joué, it's fine. Oh, ça nous défonce par contre. Oh, la duresse au bon moment, quoi. Ouais. Et il a bien slow roll, je pense qu'il l'avait et qu'il a bien attendu le moment où ça allait me faire chier, quoi. Ouais. C'est bien vu, c'est bien joué. Par contre, les manas, ça peut aller 2 secondes, s'il vous plaît. Ça fera le taf le tour d'après. Ouais, parce que là, si tu fais, tu te fais rien. Faut repasse. Ouais. En espérant qu'il ait pas de anti-bet. Land anti-bet, c'est chiant. Ouais, j'ai perdu. C'est pire que chiant. Ouais, mais c'est chiant de perdre. C'est pas grave. On aura un regret sur cette première game. Anti-bet. Hats le land. Ah, pas le land. Il a pas le land. Ouais, mais enfin, on a à 2, hein, donc. Ouais, mais on n'est pas mort. On va repasser à 4 avec Grand Cromlech. On peut tuer ces 2 5-5. Enfin, 5-5 et 3-3. Ah, effectivement, on est encore vivant. Je vais d'abord commencer par Cromlech et Florédon. Ouais, vas-y. C'est vrai ça que. Met un bloqueur. Le deck fait des remontadas. Hein. Tada! Ultimatum? Pas du tout. C'est pas mal. 1, 2, ça nous permet 3, toujours de faire des dingueries. 5, 6. Et il se rembourse forcément de toute façon. Ouais, vas-y, bah, fais Cobra d'abord. Les cobras d'abord. Je cherche une petite card, on met un autre bloqueur. Ah, c'est bien ça! Ah, c'est bien, ah, c'est bien. Bien. C'est bien, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux tavernier. Je peux tavernier au préalable? Ouais. C'est bon ça! C'est très bien. C'est bien ça! C'est très bien ça! Et bien ce jeu. S'il y a encore des basiques, hein. Ça va plus, c'est mort. Il y en a encore. Je le rappelle. Il y en a encore combien? Parce qu'il y en a qu'un et qu'on pioche, on est rect. Deux verts. Donc deux verts et un rouge. Oh le passage. Mana rouge. Enfin, peu importe, t'as déjà 2 mana rouge. Oh, on a mis 3 créatures là, c'est bien. Je me sens mieux. On va chercher le rouge. Qu'importe. Non, tu pourras avoir besoin avec ton autre passage d'aller en chercher un, donc je dirais plutôt chercher vert là. Ouais. Pour faire un play peut-être ton prochain. Doesn't matter. Et 6 hein, et je tue les 2 grosses. Eh ouais. Bah écoute, fantastique. Fantastique. Zou. Et Zou. Zoubida. Oh, tu peux tuer un land avec ce spell. C'est bien. Paiement Toto. Écoute, je trouve ça fantastique. Intervention héroïque. Ça va. Non, c'est vrai que c'est pas joué et que là ça m'aurait juste tué. Après, Turlupin nous tue. Hein. Le petit salaud. Turlupin. Ah, le Turlupin nous tue. Vraiment, je croise fort les doigts. Ne me turlupine pas, s'il te plaît, KSK. Par contre, si là je passe le tour, c'est la débandada. Je pioche 2 cartes sur mon géant. Ne me tue pas, poteau. Et il me tuera pas. Il pourra pas l'en défaire sur les princes aussi. F
fantastique. Bon, j'en ai rien à foutre. Oh là là. C'est vrai que quand il a joué ça, je me suis dit, tiens, j'en ai rien j'en à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Oh là là. Joue ton géant. C'est mieux le géant que lui péter. Tu peux passage d'ailleurs, parce que t'as plus beaucoup de land. Ça t'évitera de le piocher. Il est vrai. Et ça fera aussi double mana. Il faut faire vex. Pas nécessairement. Si. Faire vex ? Je sais pas. Je cherche un petit mana rouge là. Il y a un petit mana rouge. Le rouge. Est-ce que j'ai quand même ultimatum open ? Eh oui, là on peut ultimatum poteau si on le pioche. J'ai deux cartes. Hein. Ah bah ça c'est nul. Ça marche plus. Si ça va charger ça un prend land. Un land. Oh ça c'est fantastique par contre. Bon ça. Ouais vas-y, fais. Tue son limon là. Non. Non le limon je vais pas pouvoir, j'ai tué un tavernier, je pense. Ouais. Je pioche encore une carte, je mets du board. Et là on est dans un spot. Je pioche deux cartes. La remontada pour lui, elle est très très loin. Ça va être dur, ouais. Bah déjà il passe pas trop ce board. Non. Et je connais c'est fini là. Les decks de son espèce, il joue pas trop de reach. Voilà. Tu peux faire culture et chercher ton dernier land. Non, parce que je veux avoir un bloqueur. Sait-on jamais. Je sais pas ouais. Ce qui peut se passer. Visiblement, si ça pas se passe grand vraiment chose. Très mal. Mais en fait, il a pas le mana pour que ça se passe scandaleusement mal. Ouais. Mais bon. Un peu d'écho. Et il peut avoir. Non, s'il a Extinction Event, il nous tue quand même pas. Extinction 2, il nous met à 1. En fait, il dit un pair, on garde deux créatures et lui il n'en a qu'une. Ah non, mais c'est vrai, on a des pairs. Oh non, c'est bon. Et s'il dit pair, vous savez quoi ? C'est pareil. Vous pouvez quitter la vidéo, on a gagné. Ouais, je vous le dis. Mais ne quittez pas. Ah ouais, quittez pas, c'est une blague évidemment. D'ailleurs, petit fun fact, sur la vidéo, il y a eu un bug micro. Ouais. Il y a eu très peu de commentaires qui en parlaient. Non, les gens étaient précisé. Si, c'était là en mode changer le micro. Et aussi parce que par rapport au watch time, et ben les gens partent avant qu'il y ait le bug micro. Donc en fait, on sait que les 10 dernières minutes, on peut dire vraiment n'importe quoi, plus de son alors que d'image. Ce qui est horrible, c'est que nous, on finit souvent les vidéos sur des games incroyables. Ouais. Et c'est vraiment la fin des vidéos. Notamment qui est... la game de, ah ouais, de lundi. Qui sont fantastiques, quoi. La vidéo de lundi, pardon. T'es prêt à avoir de la belle magie ? Parce que là, avec Cromlech et. Born ready. Tu n'as toujours vécu que pour ça, je crois. Oh là là. Pour la culture, un peu. Peut-être qu'il faudrait décider des cultures, non ? Dans le match-up. Ouais, on a que 3. Elles arrivent toujours au mauvais moment. Ouais. Si tu me permets d'avoir ce billet. Ouais. je te le donne celui-là. Acte cruel. Ah, vas-y. Bah ouais. En plus, il tue celui qui est pas. Ah ben, il peut pas tuer celui qui a un marqueur. Ah ouais, parce que Cromlech, du coup, ça. Mais acte cruel. Ça. Bon, par contre, les terreurs des pics casse-couille 2 secondes, quoi. C'est moi vous dire. Mais on les a décidés, tu crois ? Eh non. Fais un impact là, tue ces trucs. Un impact ? Comme Carglass ? Attends, il faut que tu landes pour faire un mana rouge. Je peux lander Triome. Non, je vais les garder pour les recycler. C'est des potes. Tu l'as dit d'une façon marrante. Je vais les garder pour les recycler. Ah, j'ai des ambitions pour ce Triome. Oula. Quand même, peut-être pas autant. Fantastique carte, hein. Ouais. Limon, ça dégage et. Ouais, tavernier. Attends, limon, non, mais il peut pas. Il peut pas faire. Attends, plus. Mais tu pouvais payer à moins ? Oh, on s'en fout. S'en balèque. On s'en fout, on s'en fout. Franchement, je m'en fous. Ouais, ouais. Je le dis là, je. Fous-toi-en. Tu connais la roue libre ? Oui. C'est moi. La roue ! La roue ! Je n'ai pas encore fait chier une forêt pour jouer un cobra et piocher une carte. Mais vas-y. Mais vas-y, ouais, Val ! Je vais y aller direct. Enfin ! Mais enfin ! Comme le parrain de ton fils. Gagne des points de vie, là, ça nous intéresse pas. Je m'en fous. Que tu sois à 21, à 32 ou à 12, tu vas mourir tout pareil. De la même manière. Quand j'aurai trouvé mes terreurs. J'ai fait une game que j'ai fini par perdre parce que dans les 9 dernières cartes, j'avais 3 terreurs d'épique. Ah ! J'avais un dème. J'avais un œdème. Un dème de maths ? Pour te dire. J'avais un dème de maths. Sur le coup, j'avais vraiment envie que tu mettes du rouge, donc quand t'as cliqué sur bleu, j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça ? Non, c'est bon, en fait. Attaque avec un petit Jean Krakos, là. Ouais, le terrain. Ouais. Ça, c'est de l'optimisation. Vraiment, on s'en fout. Littéralement. Ah non, il reprend une cavalière, du coup. Oupsi. Tu sais que tu peux l'exiler avec un limon, la cavalière ? Oui. Non, ben, ça nous arrivait en vidéo. Ouais. Peut-être t'avais oublié, donc je te rappelle. Bah oui. Tu sais que t'étais là. Je te laisse te rapprocher un petit peu si tu veux réparer ta caméra. Je m'en vais. Vas-y, je reviens. Ou partir, mais... Un Garruk. Putain, c'est vraiment faible à côté de ce qu'on fait. Ça devrait casser les Arthos Garruk, je trouve. En moins 3. Ouais. Tu vois, un Arthos et ou une créature. Cela dit, dans les miroirs, c'est très fort.
Si tu joues des Mirrors de Golgari Adventure, Garruk, ça fait le taf. Oh, the Garim. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Vraiment, c'est beaucoup trop tard. Attends, je regarde un moment pour voir quand est-ce qu'on s'en fout. Ah bah, c'est passé déjà. Ça y est, sans cag. Il est bien ce jeu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il est fonctionnel. Ah oui, très bien. Et ça, ça a de la valeur. Ah, la voici, la voilà. Merci. Karaba. C'est qui, Karaba? C'est la sorcière d'Ankirikou. Ok. Celui qui se cachait sous le chapeau. Ouais. Lui-même. Qui faisait passer un chapeau ordinaire pour un chapeau poli. Un chapeau poli. C'est un chapeau poli. Allez, mets donc un géant, là. Tu peux pas le one-shot, là? 13-13, non. Ah, bah, si, tu vas le one-shot en piochant des cartes, là. Ouais, vas-y, vas-y. Tu fais géant, ah, son bord, je m'en fous, non? Face, on s'en fout, quoi. Ah, j'ai pêché plein de cartes en plus. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est juste trop. Ah, bah voilà, on a le létal. 14 et mets ça, voilà. Merci. Merci. A plus. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Oh, et on a un rond chiffré. Exceptionnel, Val. Moi, je exceptionnel, pense, quoi, Valentin. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Il faudrait pas que les gens se rendent compte que mon deck est une esbrouffe, en fait. Oui, non. Surtout pas. Parce que là, ça a marché et on sait, parce qu'on a déjà fait 10 games avant, qui ne marchaient pas. Oh, une mythique. Non, c'est pas vrai. En plus, pour être très honnête, c'est la première game qu'on lance. Et vraiment, quand je suis monté mythique, c'était tous les midranges. Et bah, si vous taguez que des Ragdos et des Golgari Adventure, c'est vraiment, vraiment très très bon. Ouais. En tout cas, là, il est quand même plus de minuit. Ça fait 7 heures qu'on tourne. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que c'est la first game. Vous le voyez, on était frais et pas comme ça, donc ça veut dire que c'était la première game. Ouais. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est sur la description. Notre chaîne Twitch, Valpl Magic Arena FR également, où vous pouvez retrouver toutes nos rediffs. Voilà, n'hésitez pas, c'est gratos. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui accèdent à nos rediffs maintenant, donc ça fait plaisir que vous y alliez. C'est parce qu'elles ne sont plus sur YouTube. Ouais, alors, et on fait autant de vues que les rediffs qui étaient sur YouTube, mais maintenant en rediff sur Twitch. Donc les gens ont bien fait la transition. C'est donc ça. Si vous l'avez pas encore fait, allez-y, c'est un clic. Et en plus, il y a pas de pub. Quand vous y allez. Donc vraiment, c'est juste de la régalade. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.